Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir Tokyo Metro, donc un jeu dans une petite boîte, comme vous pouvez voir, qui m'a un petit peu intrigué, alors je ne savais pas trop ce que ça allait donner, et ce fut une très bonne surprise au bilan, comme je vais vous le montrer. Alors, dans Tokyo Metro, nous allons tout simplement investir dans le métro Tokyoït et essayer de faire ça au mieux afin de finir la partie en gagnant beaucoup d'argent, puisque l'argent sera vraiment le nerf de la guerre dans ce jeu, à la fois à la fin, ce que l'on gagnera en fin de partie en fonction de nos investissements au cours de la partie seront nos points de victoire, mais en plus, en cours de partie, nous allons dépenser énormément d'argent et en gagner sera très compliqué. Alors, la boîte est toute petite pour un parti pris thématique qui est quand même pas terrible et c'est bien dommage, c'est que le plateau de jeu, plutôt les plateaux de jeu, oui, sont en tissu, comme vous le voyez. Alors, les plateaux de jeu sont en tissu, ça je sais pas trop pourquoi, enfin si je sais pourquoi, parce que ça fait thématique japonisant. Alors, évidemment, du coup, quand je le pose, j'ai un petit peu l'impression de mettre la nappe pour passer à table. Alors, encore sur ce plateau-là, c'est pas trop gênant, alors c'est donc le plan du métro de Tokyo, mais par contre, il y en a un sur le côté qui me sera très utile, et lui, bah, vous voyez, il est un peu plié dans tous les sens, donc évidemment, c'est pas très pratique pour y mettre des petites choses, comme vous verrez. Bon. C'est le point négatif du jeu, je commence par ça, comme ça c'est fait. C'est dommage, si une extension sort un jour et que je peux acheter un vrai plateau, je le ferai, ou il faudra que je bricole quelque chose. Bon, c'est vrai que ce tissu est original, mais c'est quand même pas ce qu'il y a de plus pratique. Même si vous verrez, en cours de partie, on s'y fait quand même assez rapidement. Donc, dans Metro Tokyo, nous allons, comme je vous l'ai dit, investir dans le métro de Tokyo, et vous avez donc le plan sous les yeux. Et le plateau sur le côté que je vous ai montré tout à l'heure, enfin le plateau tissu, donc hein, en fait il s'agit tout simplement de valeurs, et en fait on va pouvoir mettre ici des tokens pour représenter les différentes lignes du métro de Tokyo, et ces lignes vont prendre de la valeur au fur et à mesure de nos actions, donc vous allez voir, il y a des petits marqueurs, ça va monter, et en fin de partie on regardera la valeur de chaque ligne de métro, les investissements que chaque joueur ont fait dans ces lignes, et vous vous doutez bien, plus vous avez investi dans les lignes qui sont le plus haut en valeur à la fin de la partie, plus vous gagnerez d'argent et donc 2 points de victoire en fin de partie. Et pour ce faire, nous allons utiliser des pions d'action, en fait, en mode pose d'ouvrier. C'est-à-dire qu'il y a des cartes, alors vous voyez, il y a pas mal de cartes qui sont comme ça, et chaque carte, c'est la même chose, en fait, chaque carte, c'est une action, ou deux dans celle-là, et vous avez ici des zones de pose de pions qui sont bah, tout simplement de la pose d'ouvrier, comme vous allez le voir. Donc le jeu va durer 9 tours, et les tours vont contenir différentes phases. La première phase, ça va être justement de mettre en place les actions disponibles pour ce tour. Je vous ai montré, ce sont ces cartes, et vous allez voir, il y a une disposition particulière de ces cartes sur la table à faire, et qui nous offriront pour ce tour les actions qui sont accessibles à nos pions actions, donc encore une fois sur la mécanique de pose d'ouvrier. Une fois que nous avons donc fait en gros un rafraîchissement des actions disponibles pour ce tour, nous aurons une phase pour définir l'ordre du tour, qui peut quand même être très important. Vous allez le voir, l'ordre du tour se fait par mise, c'est-à-dire qu'on va, de façon cachée, miser une certaine somme, et vous doutez bien que celui qui a misé le plus sera premier, et ainsi de suite. Alors, au début, moi, ce genre de mise-là cachée, j'étais pas trop pour, et au final, ça marche très bien dans le jeu. Pourquoi ? Parce que le jeu, l'argent, c'est vraiment le cœur de ce jeu. Ça sera vos points de victoire fin de partie, et vous en avez énormément besoin. Donc, en cours de partie, tous vos investissements vont être calculés. Et du coup, même votre investissement dans l'ordre du tour sera calculé, puisqu'il y a une mise d'argent pour l'ordre du tour, ça fait partie des investissements. Donc au final, c'est au cœur de la mécanique du jeu. Donc un système de mise cachée secrète pour l'ordre du tour est une bonne idée. Donc, un, on aura le plateau de cartes actions pour savoir quelles actions on pourra faire à ce tour. Deux, on mise pour connaître l'ordre du tour. Trois, comme vous allez le voir, nous allons déplacer un meeple qui nous représente sur ce plan de Tokyo, et là où il s'arrêtera, eh ben nous allons pouvoir agir, donc c'est quand même très important. 4, nous allons faire ces fameuses actions. Alors pour ça, on a des pions qu'on va pouvoir poser sur les cartes, je vais vous le montrer. Au début de partie, on a 3 pions, donc on va faire en gros au maximum 3 actions dans ce tour-là. Mais comme dans tous les jeux de pose d'ouvriers, en fait, on a d'autres pions qu'on va pouvoir gagner. On va pouvoir aller jusqu'à 6 pions, et si on a 6 pions, ben, on pourra aller jusqu'à 6 actions dans un tour, puisque chaque action nous consomme, vous verrez, 1 ou 2 pions, c'est selon le cas. Donc on a cette phase, encore une fois, après avoir bougé son meeple qui nous dit où on va pouvoir agir sur la carte, comme vous allez le voir, où ben justement chacun de notre tour on va faire une action, je fais une action, le joueur suivant fait une action, etc. Jusqu'à ce qu'on ait consommé tous nos pions actions ou qu'on ait passé, comme vous le verrez. Et enfin nous avons une phase de train, où les trains, hein, c'est-à-dire les métros qui sont sur les lignes, vont partir et commencer leur circuit.
Un métro, hein, ça part d'un départ, ça suit sa ligne, ça arrive au bout et ça revient, hein, toujours. Et donc, c'est la dernière phase. Et évidemment, les mouvements des trains sur les différentes stations, vous allez le voir, mais ça sont les stations de métro, vont avoir un impact. Et cet impact dépendra de ce que l'on aura fait précédemment, dans le tour, mais aussi dans les tours précédents. Hein. Donc, encore une fois, les phases de chaque tour, de chaque manche, on va dire, il y a 9 manches. Ça sera définir les actions pour cette manche, ça sera choisir l'ordre du tour avec une mise, puis ensuite bouger son petit meeple pour choisir à quel endroit on va pouvoir agir à cette manche-là, ensuite agir avec les actions qui sont sur les cartes, et enfin déplacer les trains qui vont déclencher différentes choses qui nous seront bénéfiques en fonction justement des dites actions que l'on aura fait à ce tour ou au tour précédent. Voilà, enfin au tour au pluriel précédent, voilà comment marche le jeu globalement sur l'enchaînement des manches. Alors, première chose, les cartes actions, parce que c'est quand même ce qu'on va faire pour toute la partie des actions. Alors, il y a un gros tas, mais en fait, là-dedans, vous avez 6 tas différents, hein, qui correspondent aux couleurs. Hein. Vous voyez, par exemple, là, je vais avoir, avec ces couleurs-là, un premier tas. Ensuite, vous voyez, là, hop, avec ces couleurs-là, je vais avoir un deuxième tas, et ainsi de suite. Et vous avez comme ça 6 tas. Mais il faut savoir que chaque tas est ordonné en fonction des points que vous avez là. Vous voyez, là, j'ai un point, là, j'ai 2 points, et là, j'ai 3 points. Hein, donc ça, en fait, c'est un tas, hein, comme vous pouvez le voir. Hop, les couleurs, là, c'est les mêmes. Et en fait, je vais mélanger les cartes 1 point ensemble, mélanger les cartes 2 points ensemble et les cartes 3 points ensemble, et je les mettrai dans cet ordre. D'abord le 3, ensuite le 2, et ensuite le 1. Et ensuite, on va mettre donc ce paquet ici, hein, et on va pouvoir mettre les 6 autres à côté. Et maintenant, je vais révéler les 3 premières cartes de chaque tas. Et ça va me former des colonnes d'actions disponibles. Et donc on se retrouve comme ça avec 6 x 3, 18 zones d'action. Alors les zones d'action, on va poser encore une fois des pions dessus. Donc par exemple, c'est à moi de jouer, je pose mon pion ici et je fais cette action, l'action de la carte. C'est à nouveau à moi de jouer, je veux faire cette action-là, bah là elle me coûte 2 jetons hein, pour pouvoir la faire, donc je vais poser mes 2 jetons. Alors au début, je vous ai dit, on en a 3, donc vous voyez par exemple, là, bah, ce premier tour, j'aurais fait que 2 actions. Donc c'est comme ça que l'on va faire. Lorsque l'on débute la manche, en fait on a les cartes, alors sauf la toute première manche bien évidemment, où on met tout en place, mais sinon on a les cartes qui sont comme ça d'une manche précédente, et bien en fait toutes les cartes du bas, toutes les cartes actions du bas sont défaussées comme ça, de façon à les mettre sur leur face visible. On décale toutes les cartes d'un cran et on va évidemment en tirer des nouvelles. Donc vous avez bien compris, quand vous avez des actions ici en haut, vous savez que vous aurez encore pour un ou deux tours suivants. Par contre, celles qui sont en bas, bah, c'est le dernier tour où elles sont là. Et donc ça change comme ça progressivement. La chose qui est très maligne, c'est que comme ces tas, je vous ai montré, ils sont ordonnés. C'est-à-dire que les actions qui sont dans une colonne, c'est pas n'importe lesquelles. Elles correspondent aux couleurs. Et ensuite, avec les points, là, 2, 3 et puis 1, eh ben, elles vont sortir dans un certain ordre. Ça fait que du coup, c'est pas le chaos. Les actions qui vont sortir, il y a un petit hasard qui change comme ça, de partie en partie, c'est agréable. Parce que je mélange les 1 avec les 1, les 2 avec les 2, les 3 avec les 3, donc elles ne sortent pas tout à fait dans le même ordre. Néanmoins, il y a une logique par rapport au jeu, et les actions qui sortent d'une certaine logique pour le déroulement du jeu, bien évidemment. Et comme c'est en colonne comme ceci, c'est pareil, le type d'action qu'on va avoir disponible à chaque fois sera équilibré. Donc à la fois, le timing du jeu dans sa durée, de par l'organisation des paquets, est bien calculé, mais en plus toutes les actions disponibles à un moment du jeu sera aussi bien calculé puisqu'on a 6 tas différents. Donc on a à la fois une variabilité des actions ensemble disponibles, parce que imaginez bien que comme on mélange, bah, les actions d'une même ligne seront tout à fait différentes d'une partie à l'autre, mais en même temps quand même une certaine rigueur de façon à ce que ce soit pas le chaos et le hasard, et que les actions disponibles à chaque moment du jeu aient un sens à ce moment-là du jeu. C'est très bien foutu, je trouve, c'est une très bonne idée. Après, pour les actions, alors je vous les remontrerai en détail un peu plus tard, mais je vous l'ai dit à l'instant, vous avez des cartes où vous avez un plot d'action, vous mettrez votre pion, vous faites l'action, bah ça y est, pour ce tour-là, cette action est faite, personne ne pourra y aller, hein, comme toute pose d'ouvrier classique. Vous voyez certaines actions, y a 2 places, donc on pourra y aller à 2. Bon, vous voyez que c'est le même schéma, donc c'est la même action, par contre, c'est pas tout à fait le même prix, bien évidemment. Et puis vous avez, bon là, pareil, vous avez des actions qui sont différentes, puis parfois vous avez les mêmes actions, donc vous pouvez avoir des actions redondantes, hein, à ce tour-là, cette action-là, par exemple, vous voyez, on va pouvoir la faire 2 fois à 2 joueurs différents, c'est une action gratuite en plus en l'occurrence.
Donc voilà comment marche ce système de cartes actions et cette pose d'ouvriers sous forme de jetons actions que l'on a. Et c'est très important de le comprendre parce que ça, c'est quand même vraiment le cœur de chaque tour. On va passer quand même pas mal de temps à faire nos actions et c'est comme ça qu'on construit toute notre partie. Et donc, encore une fois, je trouve que c'est très très bien fait. J'aime bien l'iconographie simple, très japonisante, hein, très, très épurée. Et donc, on va comme ça tourner. Et quand on a fini l'état, donc après 9 tours, et ben, les états sont vides, c'est le dernier tour de la partie et ensuite la partie est terminée. Alors, les actions que je viens de vous montrer, en fait, vont nous permettre de nous développer sur, dans le métro Tokyoïde. Comme vous verrez, nous allons créer des gares dans différentes stations. Et c'est ça qui va nous ramener différentes choses sur les lignes. Vous allez le voir dans un instant. Mais, chose importante, c'est ce plateau tissu qui tient pas plat, hein, misère de misère, c'est surtout celui-là qui pose problème. Et ça, ça nous indique la valeur des lignes. Alors, les lignes, elles sont ici, hein, G, M, H, T, elles sont indiquées par des lettres avec des couleurs aussi. Et on a des petits marqueurs que nous mettrons, comme vous voyez, comme ceci par exemple, et qui vont indiquer à chaque moment eh ben, la valeur de la ligne. Par exemple, celle-là, c'est la ligne T. Bon, ben, la ligne T, si elle est ici, hein, tout simplement, ça veut dire que sa valeur, c'est 1005, 1006, 1007, 1800 yens. C'est la valeur. Alors, là-haut, c'est 6000 yens, et quand on arrive en haut, on revient en bas, et on retourne le petit token, il y a marqué plus 6000, hop, dans le bon sens. Hein, plus 6000, et maintenant, bah, voilà, ça vaut 6500 yens, 7000 yens, etc. Donc ça, ce petit marqueur, en permanence, eh ben, on va monter comme ça. Nos différentes lignes de métro vont plus ou moins valoir quelque chose, et c'est ce que je suis en train de vous montrer. Alors, je ne vais pas toutes vous les mettre, vous avez vu les lignes de métro, hein, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, donc je ne les mets pas toutes, mais on aura comme ça ces petits marqueurs qui ne vont pas arrêter de monter, et vous doutez bien qu'on va investir dans ces lignes de métro, donc plus ça monte, plus vous êtes content quand il s'agit de votre ligne de métro, en tout cas d'une ligne de métro dans laquelle vous avez investi. Donc retenez bien et regardez bien, hein, je vous l'ai montré, je vais enlever les petits tokens. Quand vous regardez, vous voyez que pour... Vraiment étrange ce tissu. Pour chaque valeur, en fait, en face, vous avez une fraction. 1005, c'est 1500. Mais si je vais là, par exemple, vous avez 5000, c'est 3004 et 1600. Donc ces fractions-là, retenez-les, je vous remontrerai tout à l'heure, c'est très très important pour les gains qu'on va avoir grâce à ces stations de métro. Mais revenons donc au plateau principal qui est au final le plan du métro de Tokyo. Alors la première chose à voir, c'est qu'évidemment, vous avez toutes les lignes, les ronds, ce sont les stations, les couleurs avec les lettres, c'est le numéro, enfin le, pardon, le métro qui vient s'arrêter à ces stations-là. C5, c'est simplement la cinquième station de la ligne C, c'est aussi simple que ça. Et oui, il y en a certaines, il y en a deux, par exemple. Dans ces stations, on va passer la I5 et la C6, dans celle-là la H5 et dans celle-là la Y7. Donc, sur ce plateau-là, les joueurs vont mettre quoi? Et bien déjà, ils vont mettre un meeple, c'est un petit personnage comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, ça nous représente, on va se promener dans le métro comme ça, et pour se promener, ben, on doit respecter les cases. Hein. C'est-à-dire là, vous avez un quadrillage gris clair qui est en surimpression, ou plutôt sous-impression par rapport aux lignes de métro. Et bien vous bougez, vous allez voir comment, on va bouger son petit meeple comme ça, et on va agir sur les stations. C'est ça qui nous importe, comme vous le verrez. Bon, ben, quand on bouge son petit meeple, on va le mettre là, et à partir du moment où il est dans une case qui touche une station, il va pouvoir agir sur cette station. Donc, je vous rappelle que, en fait, bouger ce petit meeple, c'est une phase du tour qui est juste avant la phase d'action que je viens de vous expliquer, où on joue sur les cartes actions. Donc, encore une fois, dans les différentes phases du jeu, la première, c'est de remettre en place les cartes d'action, comme je vous ai expliqué. La deuxième, c'est de définir l'ordre du tour, on va voir. Et la troisième, c'est justement de bouger son petit meeple, comme on va le voir. Hein, donc ça, la première chose qu'on a, c'est un petit meeple, et il agira sur les stations qu'il touche avec sa case. Par exemple, ici, moi, ma case qui est là, je touche cette station-là. Donc, je peux agir sur celle-là. Je ne peux pas agir sur celle-là. Il faudrait que je sois ici. Si je suis ici, là, j'agis sur ces trois stations-là. Donc, ce petit meeple, on va le bouger au moment de la phase de mouvement. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose que les joueurs vont faire sur le plateau, c'est de construire des gares. Nous avons chacun 6 gares, potentiellement, pas plus. Donc, il faudra bien choisir. Et nous allons pouvoir construire des gares dans les stations. Comme je suis en train de vous le montrer, bon, je fais au hasard, hein, mais à chaque station, je vais pouvoir, si je souhaite, construire une gare, et comme ça, à concurrence de 6. Pardon, comme ceci. Et en sachant une chose tout de suite, c'est que vous avez trois types de stations. Vous avez les stations simples, comme Kanda, par exemple, ben voilà, j'ai un cercle, c'est une station. Vous avez les stations doubles, par exemple, Jimbosho, là, vous voyez, cette station-là et cette station-là sont reliées par un petit trait gris, là, enfin pas un petit d'ailleurs, un trait épais gris. Mais ça veut dire qu'en fait c'est une station double. Donc si quelqu'un vient construire une gare, on va dire que ça ce sont nos gares, sur une station double, il prend toute la station double. C'est pas une gare là, hein.
Il prend toute la station double. Et vous avez même des triples. Regardez, celle-ci, c'est celle-ci, celle-ci et celle-ci sont reliées par un gros trait. Ça, en fait, c'est trois stations, certes, mais par contre, on n'y met qu'une seule gare. Donc, il ne faut pas oublier ça. Et là, vous avez trois, là, vous avez deux, et là, vous avez les stations simples. Une conséquence immédiate, c'est que vous vous doutez bien que dans une station double ou triple, il passe bien plus de trains que dans une station simple. Ici, il ne passe que la ligne G, c'est son dixième station, pardon. Là, va passer la ligne I, la ligne C, la ligne T, la ligne M, la ligne Z. Parce que quand vous êtes là, bah, vous dirigez tout ça. Hein. Et ici, va passer la ligne Z, la ligne I, la ligne S. Et en fait, vous vous doutez bien que quand les lignes passent à des endroits où vous avez des gares, c'est tout bon pour vous. Donc évidemment, c'est beaucoup plus intéressant d'être dans les gares triples ou des gares doubles, mais vous vous doutez bien que ce sera un petit peu plus compliqué à faire que juste une gare simple. Donc voilà ce que l'on va mettre sur le plateau, on va déplacer son meeple, là où il arrivera, on pourra agir sur la station qu'il touche, et comment on agit? Eh bien c'est très simple, c'est en y construisant des gares, comme vous allez voir, de façon à prendre possession de cette station et d'avoir beaucoup de bénéfices à chaque passage de train dans cette station. Parce qu'en plus des gares, les trains sont représentés par ces grands pions, comme ceci. Là, par exemple, ça, c'est la ligne E. Il y a une flèche. Pourquoi ? Bah, parce que la ligne E, par exemple, elle part d'ici. Lorsqu'elle va démarrer, le train, je le mets comme ça, parce qu'il est en train de bouger. Lorsqu'il bougera, vous allez voir comment ça se passe. Eh ben, je vais bouger comme ça, E4, E5, etc. Mais il va ainsi faire toute sa ligne, et ensuite, il va revenir. Et quand il va revenir, alors je suis en train de chercher la fin de la ligne E, 14, 15, 16, je ne dois pas être loin, E17, E18, E19, E20, ça doit être la plus longue, dites donc, parce qu'il y en a qui font que 10. Hein. Bon, ben, quand il arrive ici, le train, après, quand il rebougera, je le tourne pour bien indiquer qu'il est en train de phase de retour. Hein. Alors faites bien attention à ça, quand vous placez un train, vous verrez comment il bouge, de bien mettre la flèche dans le sens dans lequel va le train à ce moment-là du jeu sur sa ligne. Et donc, ils vont comme ça aller de station en station, ma foi, comme tout métro. Et donc, vous allez le voir, ce jeu est un jeu de réseau et de construction de réseau qui est très important. Mais il faut bien comprendre, là, je vous ai montré les pions qu'on a donc sur le plan du métro au cours du jeu, qu'au début du jeu, des trains, il n'y en a aucun. Il n'y a pas non plus, évidemment, de gare. Donc, au début du jeu, on a un plan du métro, aucune ligne ne fonctionne. Et on a nos meeples, par contre, qui vont aller s'y balader, et c'est eux qui vont déclencher le fonctionnement du métro Tokyo Heat. Pour notre plus grand profit, bien sûr. Alors, dans ce jeu, il faut bien comprendre que je reviens là-dessus, ce sont donc les valeurs des différentes lignes que je vous ai montrées tout à l'heure. Bah, pour qu'une ligne ait une valeur, il va falloir que son train se mette à circuler, ça c'est à nous de le faire, et à chaque fois que le train passera par une gare, alors pas par une station simple, mais une station sur laquelle un joueur a posé une gare. À chaque fois qu'un train va passer par une station où il y a une gare d'un joueur, sa valeur va monter. Alors vous verrez de combien. Et le joueur va en plus pouvoir gagner des petites choses. Donc la valeur va monter. C'est comme ça qu'on va faire monter les valeurs des lignes. Donc en mettant, en faisant démarrer les trains, vous verrez comment, et en mettant des gares sur leur trajet. Là, à chaque fois qu'ils passent par une gare, bim, la valeur elle monte. Or, il faut savoir que je vous ai dit qu'on allait investir dans ces lignes. Alors pour investir, on a deux façons. La première façon, c'est de spéculer. Alors spéculer, vous verrez comment on le fait, mais en gros, pour chaque ligne, vous allez avoir deux zones. Vous voyez, là, c'est les lignes, hein, chaque fois, avec la couleur. Vous avez deux zones de pause où on va pouvoir poser un de nos tokens. Et en fait, ces deux zones de pause, si je me mets ici, ça veut dire que j'ai spéculé sur la ligne N. Vous allez voir comment ça marche. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a que deux zones de pause possibles par ligne. Donc ça veut dire qu'il n'y aura que deux spéculations possibles éventuellement par ligne. Donc ça, il faut savoir que des tokens comme ça, de pause sur les lignes, c'est pas dans nos tokens d'action, hein, ça ils sont à part, mais on en a deux chacun. Donc chaque joueur ne pourra spéculer que deux fois. Deux fois sur la même ligne s'il le souhaite, ou bien une fois sur deux lignes différentes. Mais pas plus, on pourra pas spéculer plus que deux fois. Donc il faut bien choisir où on spécule. Puis une fois qu'on a spéculé, on a spéculé. Vous allez voir ce que signifie spéculer, c'est en gros investir dans la ligne en question, et il faut s'assurer que cette ligne gagne en valeur maintenant. Ça, c'est la première chose que l'on va faire, encore une fois, c'est venir spéculer. La deuxième chose, c'est acheter des actions de ces lignes. Alors les actions, moi j'appelle ça plutôt des parts. Et il faut savoir qu'en fait, vous avez, c'est pas dans le bon ordre, voilà, vous avez trois parts. Là, la ligne E, vous avez une première part, une deuxième part et une troisième part. Il n'y en a que trois, vous voyez là, c'est la ligne S. 1, 2, 3, c'est pareil. On va pouvoir venir acheter, donc ça c'est pour toutes les lignes, on va pouvoir venir acheter une part de chaque ligne, en sachant qu'il n'y a que trois parts, que chaque joueur ne peut en avoir qu'une seule. Alors je pourrais dire des actions, mais je préfère dire des parts, comme des parts de société. Donc chaque joueur n'en aura qu'une seule, on ne pourra pas la revendre, et on ne peut pas à la fois spéculer et avoir une part dans une ligne. Donc
au bilan ce qu'on va faire pendant toute la partie. On va construire des gares pour valoriser des lignes quand les trains passent par nos gares. En valorisant ces lignes, et ben les joueurs qui auront soit spéculé pour cette ligne, soit pris des parts pour cette ligne, et ben verront leur point de victoire gonflé pour la fin de la partie. Parce que tout ça, ça nous rapportera de l'argent en fin de partie, qui sont les points de victoire. Donc on va chercher à faire ça en permanence, avec une interaction évidemment qui est très très forte, que deux zones de spéculation par ligne, de toute façon on n'a chacun que deux tokens, il n'y a que trois parts comme vous voyez, et puis en plus les trois ne sont pas équivalentes, et on va tous essayer de les avoir, donc et puis tout ne se vaut pas, s'il y a une ligne où il n'y a quasiment pas de gare dessus, cette ligne, sa valeur ne montera jamais, ou très très peu. S'il y a une ligne où il y a énormément de gare, cette ligne elle va exploser au niveau de sa valeur, donc sera beaucoup plus rentable. Et les gares, qui c'est qui les met ? Les joueurs. Donc tout ça est complètement interconnecté, c'est tout à fait sympathique. Allez, on va rentrer un petit peu plus dans les détails maintenant. Alors juste une petite chose, il y a une possibilité de pièces métal pour ce jeu, c'est tout à fait sympathique. De 1000, 5000, 500, et voilà, avec des choses comme ça, mais aussi des pièces. J'arrive pas à vous sortir, mais avec des pièces. Donc il y a des pièces métal, qui sont tout à fait de très belles factures, et sinon vous avez des pièces et billets comme ceux qui sont comme ça, là ça c'est le jeu de base, mais qui sont aussi très très bien. Alors première chose, je vais reprendre en fait les phases d'un tour, je vous rappelle qu'il y a 9 tours, c'est le plus simple. Donc on rafraîchit les cartes actions comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Ensuite, dans l'ordre du tour, au premier tour, chaque joueur va poser son meeple qu'il représente sur une case de son choix, ça c'est au premier tour. Et à partir du tour suivant, on va pouvoir bouger notre meeple de 2 cases, c'est pas beaucoup. Si je suis ici et que je veux aller poser une gare ici, je suis quand même très très loin. Si je me déplace que de 2 cases, je vais mettre du temps pour y arriver. Bien évidemment, vous allez voir qu'il y a un moyen d'aller bien plus vite que se promener à pied comme ça. Mais en tout cas, c'est la troisième phase du tour, c'est de venir déplacer son meeple, donc encore une fois, de 2 cases et pas plus, donc c'est très peu, en tout cas au début. Donc, je le répète, première phase, on fait un mélange de cartes, deuxième phase, je l'ai oublié, excusez-moi, on définit l'ordre du tour, et troisième phase, on déplace donc de 2 cases son meeple pour savoir sur quelle station il agit. Parce que juste au passage, je vous l'ai dit, on ne pourra construire, c'est ce qu'on cherche à faire, des gares que dans les stations qu'on touche avec notre meeple. Donc si vous êtes paumé au milieu de rien, vous ne construirez pas de gare à ce tour-là, vous ne touchez aucune station. Indispensable, toucher une station pour construire une gare. Donc pardon, la petite étape que j'ai sautée, excusez-moi, c'est donc définir l'ordre du tour. L'ordre du tour, c'est très simple, chacun mise secrètement dans sa main une certaine somme. Celui qui a misé le plus, il sera premier joueur, le deuxième, troisième, quatrième, cinquième éventuellement, en sachant que s'il y a égalité, on switch les places du tour précédent. Et tout l'argent après est remis dans la banque, c'est-à-dire que évidemment on perd tous l'argent qu'on a misé. L'argent est hyper tendu, donc l'investissement dans l'ordre du tour, c'est un vrai investissement. C'est de l'argent que vous allez utiliser là et pas ailleurs. C'est pour ça que c'est bien fait. Alors au passage, j'en profite pour vous dire qu'ils expliquent sur la règle comment placer tout sur la table, y compris les cartes par action. Là, respectez bien comme ils disent, notamment avec les pions des trains qui sont mis sur les cartes actions, parce que lors des différentes phases de jeu, ça simplifie énormément les manipulations. Donc ils ont bien étudié la façon d'arranger la table. Donc, on a mis les cartes actions, on a défini l'ordre du tour en misant, chacun a bougé son meeple de 2 cases, et attention, je répète, c'est des cases, c'est pas sur les lignes, là, c'est les lignes, c'est pour les métros. Et maintenant, que fait-on ? Et bien, maintenant, on va faire les actions. En fonction, je vous remets pas, mais tout le plateau de 18 actions disponibles. Première action, celle qui ramènera des yens et des points de victoire, c'est de construire des gares, je vous l'ai dit. Et bien, c'est cette action-là, celle avec le triangle. Et bien, par exemple, sur cette carte, faire une gare, ça vous coûte 300 yens. Faire une gare, ça vous coûte 100 yens. Enfin, c'est mieux 100 yens, oui, sauf qu'il faut y poser 2 jetons actions. En début de partie, on n'en a que 3 des jetons actions. Donc si vous faites ça, vous n'avez plus qu'une seule action pour ce premier tour. Il n'y a que 9 tours. À vous de voir. Mais enfin, on débute avec 2000 yens, comme je vous ai dit, et 300 yens, déjà, c'est déjà pas mal. Et comme vous allez voir, gagner de l'argent est compliqué. Donc ça, le petit triangle, c'est je pose une gare. Donc par exemple, je suis là, je pose mes 2 jetons sur cette carte-là, je bloque cette action pour ce tour maintenant par rapport aux autres, bien sûr, comme dans tout jeu de pose d'ouvriers, de la grosse concurrence sur les actions, c'est bien sympa. Et maintenant, je vais pouvoir poser ma gare sur la station. J'ai construit une gare pour, 100 ou 300 yens en fonction de ce que j'ai utilisé. Oui, mais ça, c'est vrai uniquement pour une gare qui est seule, comme ça. À partir du moment d'une station seule, si vous posez sur une station double, vous multipliez le coût par 2. Et si vous vous posez sur une station triple, vous multipliez le coût par 3. Donc tout à l'heure, là, les 300 yens, si vous faites ça, et que vous posez ici, c'est pas 300 yens que ça vous coûte, cette gare, c'est 900 yens. 3 fois 3, 9. C'est très cher. Mais néanmoins, cette gare-là, il y a 1, 2, 3, 4, 5 métros qui vont y passer. C'est-à-dire 5 lignes différentes.
Donc c'est super, c'est normal que ce soit très cher. Je voulais répéter, les gares qui sont reliées par ces gros traits, les doubles et les triples, il n'y a qu'une seule gare qui y va. Il n'y a personne qui va se mettre là. On considère que c'est tout qui vous appartient. Donc ça, c'est la première action qui est fondamentale, qui va être de construire une gare. Alors ça vous coûte 100, 300, 400, 500 yens. Ça dépend des cartes actions qui sont sorties. Et c'est tout simple, je pose, je paye, je pose ma pyramide, j'ai ma station à côté du meeple, bien sûr. Alors évidemment, on pose les gares, je vous l'ai dit, à côté de votre meeple qui ne bouge que deux par tour, hein, donc c'est pas beaucoup. Hein. Mais il y a des actions qui vous permettent de bouger votre meeple tout de suite. Vous êtes ici, vous faites cette action qui vous coûte deux pions action, vous bougez immédiatement votre meeple de 5 cases. Alors on bouge en orthogonale, hein, pas en diagonale. Donc cette action-là vous permet, c'est une autre action possible, de bouger votre meeple à la phase action de 3, de 5, ça dépend. C'est une action gratuite, ça ne vous coûte pas d'yens, donc c'est très bien. Bon, ça vous coûte évidemment des pions action. Donc ça, c'est une deuxième action qui est bien pratique, assez liée quand même à la pose de sa gare, puisque les gares, on les pose, là, on aura bougé notre meeple. Donc en règle générale, vous ferez plutôt cette action-là pour bouger votre meeple où vous vouliez aller, si c'était un petit peu trop loin. Et puis la deuxième action sera de poser une gare. Enfin, si personne ne vous a pris les actions que vous vouliez faire entre-temps. Puisqu'on fait chacun une action, et puis c'est à l'autre, puis c'est à nouveau à nous pour notre action suivante. Alors il y a un autre moyen d'aller un petit peu plus vite avec son meeple, c'est de prendre un token vélo. Un pion vélo. Pour prendre un pion vélo comme ça, eh bien, il faut faire l'action vélo. C'est très simple. J'arrive, je pose mon pion action et je vais pouvoir prendre un vélo. Hop, ça c'était mon action du tour. Je prends un vélo. Qu'est-ce que ça fait ça? Eh bien ça fait qu'à tour, à la manche suivante, lors de la phase de mouvement de mon meeple, hein, qui est en début de manche, eh bien c'est pas de 2 qui se déplacera, mais ça pourra être de 3. Donc il se déplacera un cran de plus. Bon, c'est moins ultime que la carte qui vous fait vous déplacer de 5, mais enfin, à chaque tour, il se déplacera maintenant de 3. Mais vous allez voir, il y a encore un autre moyen de le déplacer, son meeple. Donc ça, ce sont des premières actions qu'on trouvera sur le plateau action. Déplacer un peu plus son meeple pour atteindre une station et autre action, y poser une gare en payant le prix, bien évidemment, comme je vous l'ai expliqué. Mais comme je vous ai dit, maintenant, il s'agirait d'investir dans les lignes. Parce que c'est bien d'avoir des gares, mais si vous n'avez pas investi dans la ligne, ça ne sert à rien. Et comment fait-on pour investir dans les lignes? Eh bien là, vous avez deux possibilités. Soit cette action-là, ce petit symbole qui ressemble à peu près à ce que vous voulez. Non, en fait, ce sont des courbes qui bougent. Là, ça vous coûte 200 yens, là 300 yens. Et là, vous utilisez qu'un jeton action, là deux jetons action. Comme d'habitude, bon, il y a d'autres cartes hein, qui vous font ça. Ça, ça veut dire quoi? Quand vous faites ça, vous allez immédiatement pouvoir acheter une action sur une ligne parmi les 12 que vous choisissez, bien évidemment. Donc quand vous achetez une action, mettons que ça soit la ligne E, dont je vous parlais tout à l'heure, mais c'est pareil pour toutes les autres, hein, vous allez, si vous êtes le premier, prendre la première action, la voilà. Donc vous prenez cette carte, vous la mettez devant vous, et maintenant vous avez une part de cette ligne de métro, la ligne E, et que vous gardez jusqu'à la fin de la partie, puisque c'est ça qui vous rapportera de l'argent, et donc des points de victoire en fonction de la valeur finale de la ligne E. En l'occurrence. Alors, ça vous a coûté combien? Bah, l'action de prendre une action, enfin prendre une part, hein, c'est-à-dire, je vous ai montré 200, 300, 400, et puis c'est tout. Mais il faut savoir qu'il y a deux autres parts, c'est-à-dire que deux autres joueurs pourront aussi prendre des parts dans cette ligne. On a, je le répète, chacun droit qu'à une seule part par ligne, pas le droit d'en acheter plus, et elles ne se revendent pas. Donc, ce sera forcément d'autres joueurs. Sauf que le deuxième à venir acheter une action, une part de cette ligne, il doit payer l'action pour le faire, bien sûr, comme je vous ai montré, 300-400 yens. Mais en plus, 300 yens. Donc, s'il devait payer 300 yens pour faire l'action de prendre une part de la ligne, eh bien, ce sera 300 plus 300, 600 yens, elle coûte celle-là. Et le troisième, tac, 600 yens de plus. Donc, c'était 300 yens, mettons, pour faire l'action de prendre une part, plus 600 yens, ce qui lui fait quand même 900 yens pour prendre la dernière part. Autant vous dire que ça et ça, c'est fait uniquement pour les rames, enfin pour les lignes, où l'on voit qu'elles montent, elles montent, elles montent, elles montent, qu'elles deviennent tellement hautes que de toute façon, ça reste rentable de dépenser autant d'argent. Bon, celui qui aura eu le nez fin et qui aura pris la toute première, il sera bien content. Donc ça, c'est encore une fois le fait de prendre une part. C'est cette action-là que je vous ai montré avec l'iconographie. Là, vous payez en yens et puis vous prenez la première, la deuxième ou troisième part et rajoutez de l'argent ou pas. Et ça, bah, vous verrez, et il faudra maintenant que cette ligne, que sa valeur monte le plus haut possible sur ce plateau-là, de façon à ce que ça vous rapporte un max d'argent à la fin de la partie, et donc évidemment, un max de points de victoire, puisque c'est la même chose. Et c'est justement en prenant une part, comme je viens de vous le montrer, d'une ligne, que le métro se met à rouler. Vous avez investi dans la ligne, eh ben le métro est parti. Donc quand vous prenez une part et que vous l'achetez, immédiatement vous posez le pion pour le métro en question. Maintenant c'est parti, ce pion-là, il va bouger, il va rouler. Donc c'est comme ça que l'on met des rames de métro en marche, qui vont passer donc par nos gares, super, c'est en achetant des actions.
Néanmoins, sachez qu'il y a une action, qui est celle-ci, avec un train dessiné, là, qui vous coûte rien, il y a un petit plus devant. Vous voyez, ça, c'est une action qui vous coûte des sous, prendre une part, là, comme je vous ai expliqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous vous mettez là, vous faites démarrer une ligne de rame, de train, donc vous choisissez celle que vous voulez, vous allez poser là-bas le pion qui représente le train, elle démarre, et sa valeur, ça va être de combien? Eh bien, sa valeur, parce que évidemment, il va falloir que ici la valeur monte, sa valeur, ça va être de 200 yens. Ça, c'est la valeur de départ quand vous utilisez cette action pour faire démarrer un train. Vous n'avez pas pris de part dans cette ligne, vous n'avez rien fait, mais vous le faites démarrer juste avec cette action, et elle part avec une petite valeur de 200 yens. Alors, il y a d'autres valeurs comme ça, mais ça permet. Alors, il faut savoir que quand vous prenez une action, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le train, il démarre, mais il ne s'arrêtera plus. Il fera des allers-retours comme ça sur sa ligne. Par contre, lorsque vous faites partir un train avec l'action Start, là que je viens de vous montrer, il ne fera qu'un aller-retour. Et si sur cet aller-retour, personne n'a pris d'action de cette rame, elle sort, elle arrête de rouler. Tout simplement. Et là, je viens de vous dire que c'est comme ça que ça va démarrer la valeur de l'action, puisque là, avec l'action Start, elle va démarrer du chiffre qui était marqué sur la carte Start. Généralement, c'est 100, 200 ou 300 yens. Donc, elle montera 200, 200 ou 300 yens. Mais quand on prend une part de la ligne, bien évidemment, que non seulement on fait démarrer, évidemment, le train comme avec une action Start, mais que aussi on va démarrer la valeur de la ligne. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est évident. Autant sur l'action Start, on va avoir donc la valeur qui est écrite sur la carte et on sait de combien on part. Par contre, lorsque l'on prend une action, elle va monter de la somme que l'on aura payée pour avoir cette action. Donc si vous payez, mettons, 600 yens en fonction de ce qui est écrit sur la carte, de la valeur de l'action, si vous payez 600 yens pour prendre une carte, la ligne va commencer immédiatement à 600 yens comme valeur pour cette ligne. Et c'est très bien, parce que du coup, vous pouvez dire « Oh là là, j'ai payé cher !» Oui, mais à la fin, cette ligne vous rapportera en fonction de sa valeur finale, donc c'est bien que ça démarre fort. Hein. Donc c'est comme ça que les trains arrivent sur le plateau, c'est comme ça qu'ils commencent à valoir quelque chose quand vous en prenez une action, ou bien lorsque vous faites le start, dont je vous ai montré, sans prendre d'action. Mais évidemment, quand vous faites le start, en fin de partie, pour l'instant, cette ligne ne vous rapporte rien, hein, parce que vous n'avez pas pris d'action, rien, si vous l'avez juste fait démarrer. Mais par contre, si elle passe par une de vos gares, ça pourra quand même vous faire des petits cadeaux, comme vous allez le voir. Mais une autre action, je vous ai dit qu'on pouvait donc prendre des parts, comme je viens de vous le montrer, ça nous rapportera des points de victoire en fin de partie, mais l'autre action qui nous rapporte des points en fin de partie, c'est la spéculation, c'est ce symbole-là. Je pose un pion ici et je peux faire une action de spéculation. Qu'est-ce que l'action de spéculation? L'action de spéculation, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, on ne peut en faire que deux par manche, on a deux jetons pour ça, on a deux jetons pour ça. Première règle, il faut que si on veut spéculer sur une ligne, que cette ligne ait déjà une valeur. Donc il faut qu'elle ait son jeton qui soit quelque part ici et qui marque par exemple cette ligne là, elle vaut 1100 yens. À partir du moment où elle a déjà une valeur, ce qui signifie quoi? Qu'il y a déjà un train qui roule sur cette ligne, ce qui signifie quoi? Qu'un joueur précédemment soit a fait une action start, soit a pris une part de cette ligne pour faire démarrer le train et faire démarrer sa valeur. Donc à partir du moment où il y a une valeur et que le train est déjà parti sur cette ligne, vous pouvez spéculer. Alors pour spéculer, ça va être très simple, vous allez prendre un de vos pions qui est prévu à cet effet et le poser sur, par exemple pour la ligne I, donc là c'est la H, mais pour la ligne I, et le poser sur un des deux emplacements qui est pour la ligne I. Là vous dites, ça y est, j'ai spéculé pour la ligne I. Et vous laissez bien ça jusqu'à la fin de la partie, qu'on sache que vous avez spéculé pour cette ligne I, pour les points comme vous verrez à la fin. Et vous spéculez de combien? Et bien alors là c'est bien simple, il y a un minimum. Vous ne pouvez pas spéculer moins que le petit chiffre ici, qui correspond à la valeur de la ligne. Si la ligne était à 500, par exemple, vous ne pouvez pas spéculer moins de 100 yens. Vous êtes obligé de mettre au moins 100 yens. Et là, vous allez dire, super, je mets le minimum. Il n'y a pas de maximum, vous pouvez monter autant que vous voulez. Vous allez voir que non. Parce qu'en fait, l'argent et donc les points de victoire que vous allez gagner en fin de partie, quand vous spéculez, dépendent de l'argent que vous aurez mis lors de la spéculation. Parce que cet argent, on va le poser sur votre pion que vous avez mis, sur l'emplacement que je viens de vous montrer. On pose cet argent-là dessus pour se souvenir de combien vous avez spéculé sur cette ligne. Et vous allez voir, à la fin de la partie, l'argent que vous rapporte la ligne lors de spéculation dépend évidemment de la valeur finale qu'elle a atteinte, mais aussi de ce que vous avez mis comme spéculation dessus. Plus vous mettez, plus vous aurez de chances de gagner beaucoup. Alors comme je vous ai montré, là vous avez deux emplacements pour chaque ligne, donc deux spéculations possibles, même du même joueur d'ailleurs, il peut spéculer deux fois pour ces deux actions de spéculation de la partie sur la même ligne.
Mais il y a un moyen d'empêcher ça. C'est quoi ? Eh ben, c'est l'action d'aller chercher un token speed, c'est-à-dire vitesse. C'est cette action-là. Je viens poser un jeton, je prends un token speed, c'est-à-dire un token vitesse, comme ceci. Vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Les tokens speed vont s'utiliser avant votre action. Donc ça veut dire que lorsque vous faites l'action de prendre un token speed, vous ne pouvez pas le poser tout de suite, vous serez obligé d'attendre votre action suivante. Et on fait quoi ? Eh bien, on va le poser exactement au même endroit que les tokens de spéculation. Donc il bloque une place. Donc si je viens sur la ligne I, je mets un token speed ici, déjà il n'y aura plus qu'une seule spéculation possible sur cette ligne. Et s'il y a deux tokens speed sur cette ligne, eh bien, il n'y a plus de spéculation, on ne peut plus spéculer sur cette ligne. Et vous allez me dire, ah bon, et ça fait quoi d'autre ? Alors, les tokens speed, le fait d'empêcher de spéculer, c'est très bien pour les gens qui ont des actions sur cette ligne. Car comme vous allez le voir, avoir des actions ou spéculer sur une ligne, c'est antinomique. Les gens qui spéculent embêtent les gens qui achètent des actions pour la ligne. Et règle fondamentale, vous ne pouvez pas à la fois spéculer et avoir des actions pour cette ligne. Pour chaque ligne, vous choisissez. Soit vous faites rien, vous en foutez de cette ligne-là, soit vous prenez une action et une seule, soit vous spéculez. Mais il faudra faire un choix entre ces trois situations. Je fais rien, je spécule ou je prends une et une seule action. Vous ne pourrez pas faire les deux. Donc sélectionnez, faites bien attention que vous ne vous trompez pas. Hein. Vous ne spéculez pas sur une ligne, vous avez déjà pris une action il y a 4 tours. Donc, c'est un intérêt pour vous de mettre ces tokens speed si vous avez une action de la ligne, parce que ça empêchera les autres de spéculer. Et vous allez voir, quand ils spéculent, ça va vous baisser vos revenus en fin de partie. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, un token speed, en gros, c'est un turbo que vous mettez sur le train. Et bien maintenant, les trains, ils vont avancer plus vite. Vous allez voir, dans la phase de déplacement des trains, c'est là où ils passent par les gares. Donc, si vous avez misé sur cette ligne, plus ils passent par des gares, mieux c'est. Avec un token speed, il pourra avancer d'un cran de plus. Avec deux token speed, il pourra avancer de deux crans de plus. Donc, quand vous avez des actions dans une ligne de métro, mettre deux tokens speed. Un, ça vous protège des spéculateurs, comme vous allez le voir à la fin. Et deux, ça vous permet d'avoir un train qui va plus vite, plus loin, et qui passera d'autant plus par beaucoup de gares au cours de la partie. Et à chaque fois qu'il passe dans une gare, la valeur va augmenter, et donc vos gains en fin de partie vont augmenter. Donc il va y avoir une tension aussi à ce niveau-là entre les joueurs. Et à propos de ces tokens, sachez une action qui est une action un peu bizarre, c'est la seule qui n'est pas thématique, c'est celle-là. C'est-à-dire, bon là, c'est cette action-là. Ça, c'est quoi ? Eh bien, vous pouvez défausser un token speed ou vélo que vous avez pour construire une gare gratuitement. Et vous posez là. Alors, c'est énorme, parce que vous venez ici, par exemple, ça peut vous coûter jusqu'à 1500 yens de construire votre gare ici, parce que c'est une triple. Bah, si vous aviez un token speed ou un token vélo, bah, vous le défaussez. C'est-à-dire que vous n'aviez pas posé le speed pour une ligne, bien sûr. Il n'a pas été utilisé, il est juste devant vous, il est non utilisé. Ou vous aviez le token vélo pour aller un peu plus vite. Et bien, vous le défaussez et bim, vous posez gratos votre gare, à partir du moment, évidemment, où votre meeple est à côté. Donc, c'est énorme, hein, quand même, hein, entre 1500 yens et ça. Mais bon, il aura fallu prendre le token avant et faire ça et que personne ne vous pique la place. Donc, encore une fois, les tokens comme ça, speed ou vélo, on va essayer d'en avoir parce que soit vous les utiliserez pour, si vous avez pris des actions sur une ligne pour éviter que quelqu'un vienne spéculer et pour que le train aille plus vite et que sa valeur augmente plus vite, soit vous utiliserez avec cette action-là qui vous permet de poser une gare, en gros, gratuitement. Alors, comme vous allez voir, au début, on gagne très peu d'argent, on a très peu d'argent, et donc l'argent est très tendu. Vous avez vu qu'à chaque fois que je fais des actions, quasiment, ça coûte des sous. Bon, et ben, vous avez une action d'emprunt, c'est celle-là. Vous vous posez, si vous faites ça, vous gagnez, vous prenez immédiatement 1000 yens à la banque. Donc, c'est quand même très bien. En sachant que vous pourrez rembourser cet emprunt, mais uniquement si vous déclenchez une action de remboursement d'emprunt. En fait, il y a une carte tout à fait similaire avec la flèche dans l'autre sens. Vous voyez, par exemple, celle-là, avec deux tokens, et avec ça, vous remboursez un emprunt. Alors, si vous le faites donc dans la partie, ça vous coûte le prix que vous avez emprunté. C'est-à-dire, vous empruntez 1000 yens, et plus tard, vous remboursez 1000 yens. C'est très simple. Par contre, si vous ne la remboursez pas de la partie, votre emprunt, quand arrivera la fin de partie, il faudra rembourser 1500 yens. Il y aura 500 yens de pénalité, et comme c'est l'argent, les points de victoire, c'est un petit peu dommage. Mais ça peut vous aider, quand même, les emprunts. On peut jouer sans. Ma première partie, j'ai gagné sans faire d'emprunt. C'était une première partie. Hein. Personne n'était bien au courant du jeu. Mais bon, vous êtes très très tenté d'en faire. Parce qu'au début, l'argent, c'est quand même très compliqué. Moi, personnellement, je misais jamais. J'étais quasiment tout le temps dernier parce que je ne pouvais pas tout faire. Une autre action pour vous aider financièrement, c'est celle-ci. Lorsque vous posez un jeton ici, vous aurez 200 yens de réduction sur votre prochaine action que vous ferez. Donc vous venez, vous posez votre jeton ici, vous avez 200 yens de réduction, très bien. Tous les autres joueurs jouent, c'est à nouveau à vous. Et bien vous allez poser un autre de vos jetons, bien sûr, sur une autre carte pour faire une action. Mais cette fois, cette action vous coûtera 200 yens de moins. En sachant que par contre, vous retirerez le jeton au moment où vous utilisez le discount, la réduction. Vous le posez sur le jeton qui vous a servi à déclencher l'action pour laquelle vous avez bénéficié de la réduction. Ce qui fait que, un, vous ne récupérez pas ce jeton pour ce tour, hein, vous n'avez pas un jeton gratuit, et deux, cet emplacement de réduction,
devient disponible pour un autre joueur à ce tour-là, s'il le souhaite, une fois que vous l'avez utilisé. Donc ça, c'est les deux moyens, l'emprunt et la réduction, de dépenser moins d'argent. Enfin, vous avez trois actions pour vous faciliter les tours suivants qui viendront. La première, c'est celle-là. Lorsque vous avez ça, ça représente la mise. C'est-à-dire que si vous mettez un jeton ici, on va prendre 200 yens de la réserve, on va les poser sur votre jeton qui est ici dans l'ordre du tour, et ça veut dire que la manche suivante, lors de la mise pour l'ordre du tour, vous partirez pas de 0, mais de 200 yens. Donc ça vous aide pour l'ordre du tour de la prochaine, du prochain tour. Vous avez deux autres actions qui vont vous aider pour les prochains tours, et qui sont un peu plus importantes. La première, c'est celle-là, ça vous coûte 300 yens, vous posez un jeton action, vous allez pouvoir prendre une carte parmi celles qui sont défaussées face découverte. Vous vous souvenez, celle qu'on a déjà utilisée dans les tours précédents, défaussée face découverte, vous pouvez en prendre une au choix, sur le dessus, hein, vous ne fouillez pas dans l'état. Celle-là, vous la prenez, vous la mettez devant vous, elle est à nouveau disponible, du coup, puisque vous l'avez récupérée, et elle ne sera disponible que pour vous. Personne n'a le droit d'y aller, ça sera votre action à vous, parmi les actions défaussées. Donc ça peut être pas mal du tout, cette action-là. Hein, donc ça sera pour, d'ailleurs, dès ce tour-là, si vous le souhaitez. Enfin, la dernière action, d'ailleurs, dès ce tour-là et pour les tours suivants, c'est cette action-là. C'est quoi ? Pour 300 ou 400 yens, vous allez pouvoir prendre un jeton supplémentaire. Je vous rappelle qu'en début, on commence avec 3 jetons actions. Donc on fera 2, 3 actions avec ces jetons-là. Si vous venez là, vous en prenez un quatrième. Au total, on peut en avoir 6 comme ça, des jetons actions en allant les récupérer. Comme dans tout jeu de pose d'ouvrier, en avoir 4 c'est indispensable, en avoir 5 c'est quand même très bien, 6 c'est pas forcément toujours optimal. Alors, évidemment, toutes ces actions ne sont pas disponibles toutes en même temps, à tout moment, au même prix, puisque les cartes tournent comme je vous l'ai dit, donc on n'aura pas toutes ces actions tout le temps. Et c'est assez bien foutu, vous doutez bien, comme je vous ai dit, que les remboursements d'emprunt arrivent à la fin de la partie et les emprunts arrivent plutôt au début de la partie. Hein, ça c'est bien foutu, ça sort comme il faut. Lorsque chaque joueur aura fait ses actions, alors il faut savoir au passage, c'est-à-dire qu'on n'a plus de jetons, donc c'est fini, on peut tout à fait passer avec des jetons encore en main. S'il y a des jetons qu'on n'utilise pas, ils nous rapportent 100 yens. C'est un moyen d'avoir de l'argent, mais c'est un très mauvais moyen. Faire sauter des actions pour gagner 100 yens, c'est quand même pas terrible. Et bien, une fois qu'on a fait la phase des actions, on va venir maintenant à la phase de déplacement des trains. Et on fait tout ça pour ça, au final, pour le déplacement des trains. Et bien, il faut savoir qu'à cette phase de déplacement de train, qu'on a tous fait nos actions, chaque train va se déplacer de 5 stations. C'est la règle. 1, 2, où est mon C4 que j'ai perdu, 2, 3, 4 et 5, et je mets bien la flèche dans le bon sens, voilà, j'ai déplacé ma ligne C, et donc ça on va le faire pour toutes les lignes, ils se déplacent de 5, si vous aviez mis un token speed pour cette ligne là, et bien il se déplace de 6, si vous aviez mis un token speed, un deuxième token speed pour cette ligne-là, eh ben, il se déplace de 7. C'est quand même pas négligeable. La ligne C, par exemple, elle va jusque là-haut, c'est-à-dire jusqu'à 12. Donc vous voyez que si vous lui avez mis 2 tokens, c'est-à-dire qu'en 2 tours, elle va arriver et repartir. Et donc elle repassera par les gares. Parce qu'évidemment, le but, c'est de les faire passer par les gares. Que se passe-t-il lorsqu'un train passe par une gare? Par exemple ici, si elle passe là et qu'elle arrive ici, elle est passée sur cette triple station et donc elle est passée par la gare du joueur gris. Et bien à ce moment-là, tout dépend du joueur gris. Si le joueur gris n'a pas d'action, n'a pas de part de cette ligne-là, c'est-à-dire qu'il a construit sa gare, mais c'est tout, sur cette ligne, cet endroit-là par rapport à la ligne C, ou alors il a spéculé sur la ligne C, ce qui marche aussi parce qu'il n'a pas d'action. S'il n'a pas d'action, c'est écrit là. À ce moment-là, immédiatement, l'action de la ligne monte de 200 yens sur le petit tissu là. Donc elle gagne 200 yens pour la ligne C, bien sûr. Mais lui, le joueur, gagne 200 yens aussi. C'est le seul moyen de gagner de l'argent dans toute la partie. Si par contre, le joueur qui avait ici sa gare où est passé le train, avait une action de la ligne considérée, en l'occurrence la ligne C, et bien cette fois il ne gagne pas d'argent, mais par contre la ligne va prendre 500 yens en augmentation de valeur. Donc vous comprenez qu'on peut facilement arriver à 6000. Si vous avez un train avec les gares qui finissent par se poser partout, qui passent par 3 gares avec des joueurs, peut-être même le même, qui ont des actions, et bien sur juste un passage, la valeur de l'action va monter de 1500 yens. Donc ça peut monter très vite. Et là, de toute façon, ça montera au moins de 200 yens si la gare, la personne n'a pas d'action. Et l'intérêt, c'est qu'il y a 200 yens pour le joueur. Donc on va trouver un équilibre en fonction des lignes. Entre celle où on va miser sur les actions pour viser la fin de partie à max de points de victoire, parce que c'est ça qui rapporte le plus en faisant monter à fond la valeur de la ligne, parce qu'à chaque fois que ça passe par une de vos gares, bim, ça prend 500 yens de plus en valeur, cette ligne. Donc on le remet encore une fois avec le marqueur sur ce
plateau tissu, hein, ou alors bah, certaines lignes, non, vous déciderez que ça vous rapporte des thunes, quoi. Donc, soit vous ferez rien sur cette ligne, soit vous spéculerez quand même sur cette ligne, et vous ferez monter que de 200 la ligne, mais vous gagnerez aussi 200 yens à chaque passage. Donc, avec la partie, on a 6 gares hein, en tout. Donc, vous pouvez arriver à gagner pas mal d'argent quand même hein, sur les passages. Si vous êtes ici, par exemple, sur cette gare triple, vous voyez que si je suis ici et qu'à ce tour-là, tous les trains qui passent par cette gare triple passent, c'est-à-dire la ligne I, la ligne C, la ligne T, la ligne Z et la ligne M, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 trains passés. Si sur ces 5 trains, j'ai aucune action, eh ben, ça me fait 1000 yens que je rentre d'un coup juste sur une gare. Hein. Et après, si j'ai d'autres gares, je rentre encore. Bon, après, sur ces 5, mettons que sur ces 5 lignes, il y en a 2 où j'avais des actions. Bon, bah, du coup, il m'en reste 3 où j'avais pas d'actions, que j'ai spéculé ou pas. Ça me fait 600 yens pour moi, elles montent chacune de 200. Et les 2 lignes sur lesquelles j'avais des actions vont monter chacune de 500. Hein? Donc, voilà comment marche le jeu. Donc, vous comprenez, c'est un jeu de réseau où tout va dépendre comment on va placer nos gares les uns par rapport aux autres en fonction de ceux qui ont des actions, ceux qui ont spéculé ou ceux qui n'ont rien fait. Donc, cette phase de mouvement des trains, en fait, c'est la récompense à chaque manche de tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et une petite chose très importante. Lorsqu'un train va passer dans une gare, dans une station, pardon, où il y a votre meeple, et bien votre meeple a le droit de prendre le train. Il monte dedans et il descendra où bon lui semble. C'est comme ça qu'on arrive à vraiment bien se déplacer sur la carte. C'est en prenant le train. C'est thématique quand même. En sachant que si vous arrivez dans une station, mettons que je suis descendu là et qu'une autre rame passe dans cette station, je peux hop, prendre l'autre rame pour aller ailleurs. Donc évidemment, on est dans le métro, c'est quand même avec ça qu'on arrive à avancer le plus. Alors il faut savoir que prendre une rame de métro, ça coûte 100 yens. Tout est tendu, l'argent est tendu. Donc si vous faites ça, ça vous coûte 100 yens. Sauf si vous prenez une rame de métro pour laquelle vous avez une action, une part. Si vous prenez une rame de métro pour laquelle vous avez une action, une part, et bien là, ça vous coûte 0. Et c'est pas mal, parce que si vous allez jusqu'au bout, par exemple, boum, je prends la ligne C, mettons que j'ai une part de la ligne C, je l'ai pris ici, je m'arrête ici. La ligne C s'arrête ici pour ce tour-là, je descends, hein, et tour suivant, je vais utiliser une carte plus 5, mettons, alors je fais plus 2 en déplacement, j'utilise une carte plus 5 pour continuer mon déplacement, j'arrive ici, immédiatement, alors je crois que ça colle pas, mais enfin ça peut coller sur d'autres situations, immédiatement je construis vite une gare ici, hop, ça c'est au tour suivant, et quand, au tour suivant, donc le train redémarre, bim, il passe par ma gare qui n'était pas juste avant. Donc il y a des coups comme ça à faire quand on prend le train avec son bonhomme. Bien, et tout ça c'est pour faire quoi? Eh bien on va faire ça pendant 9 tours, je vous ai dit, jusqu'à ce qu'on ait consommé toutes les cartes. Et en fin de partie, qu'est-ce qu'on regarde? Eh bien on va regarder ici les valeurs des différentes lignes. Et comment ça va marcher? Eh bien on va rémunérer les joueurs. Première chose, on va faire ça pour chaque ligne. On va regarder qui a spéculé sur la ligne. On prend une ligne, peu importe laquelle, je vais vous sortir un token, mettons que la ligne Y est finie ici à 5700 yens. Elle a fini à 5700 yens. Première chose, qui a spéculé sur la ligne Y? On regarde les plots Y, on regarde qui a spéculé et combien ils avaient mis d'argent au départ. Eh bien, tous les deux joueurs qui ont spéculé vont toucher la petite valeur de la fraction qui est en face du token. Donc dans cette situation-là, chaque spéculateur va toucher 1900 yens. Mais attention, parce que après avoir fait ça, immédiatement, on diminue la valeur de la rame, enfin de la ligne, de l'argent que l'on aura donné. Donc par exemple, si j'étais ici, vous me permettez, c'est plus simple à calculer, qu'il y avait un spéculateur, elle valait 6000 yens, ben, le spéculateur gagne 2000, c'est la petite valeur, je vous ai dit, et ben maintenant la ligne vaut plus que 4000 yens. Et vous me dites, et alors? Ben, et alors, la rémunération de ceux qui ont pris les actions se fait après la rémunération des spéculateurs. Donc ceux qui ont pris les actions, ils voyaient leur ligne Y à 6000 yens, c'était super. Ouais, sauf qu'il y avait des gens qui ont spéculé, donc ça a diminué. Alors s'il n'y en avait qu'un qui a spéculé et qui a pris donc 2000, elle tombe donc à 4000. Mais s'il y avait deux qui avaient spéculé et qui donc au total 4000 yens étaient partis, eh ben cette rame-là vaut plus que 2000 yens. 6000 moins 4000, ce qui a été donné aux spéculateurs. Donc il faut vraiment, quand vous avez des actions, essayer que ça ne spécule pas sur votre ligne. Un spéculateur encore, ça va, mais deux, non, c'est pas possible. Donc, il faudra mettre un token speed. Et en plus, ce token speed vous permettra que votre train aille plus vite. Et comme la valeur augmente à chaque fois qu'il passe dans les gares, quelle que soit la situation, bah, il augmentera d'autant plus. Donc, évidemment, quand vous prenez des actions dans une gare, dans une ligne, la première chose que vous allez faire, c'est mettre des token speed si vous pouvez. C'est très important. Donc, en premier, on fait ça. Les spéculateurs vont donc toucher ça.
une fois que les spéculateurs ont touché, que donc, mettons, la ligne Y s'est un peu pété la gueule parce qu'un spéculateur s'est servi au passage, saleté de spéculateur, et ben vous, qui avez pris une action, qu'est-ce que vous allez gagner? Et ben s'il n'y a qu'un seul joueur qui a pris une action dans la ligne Y, donc il n'y a qu'une seule action qui a été prise, une seule part, c'est un joueur. Et ben c'est simple, il prend la valeur de la ligne. 4000, et oui, les actions, ça fournit beaucoup plus d'argent. Dans ces situations-là, un spéculateur prend 1003, si on était dans cette situation-là, et dans cette situation-là, sans spéculateur, celui qui a pris une action prend 4000. C'est quand même plus rentable. Donc, le premier à avoir pris l'action numéro 1, il prend 4000. Si il n'y a personne d'autre, encore une fois, qui ont pris des actions, si deux joueurs ont pris des actions dans cette ligne, et bien maintenant, on regarde les petits chiffres. Le premier prend le plus grand, en l'occurrence 2007, et le deuxième prend le plus petit, c'est-à-dire 1003. Alors évidemment, vous allez râler quand vous voyez votre ligne qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, et que quelqu'un va acheter une action. Mais vous n'y couperez pas. Si vous avez une ligne qui monte à 6000, à plus de 6000 yens, vous pouvez être certain que quelqu'un va prendre une autre action. N'allez pas pleurer, c'est normal. Vous allez perdre, certes, vous allez quand même gagner énormément d'argent parce que votre ligne vaut beaucoup, même si vous prenez plus le total et que vous prenez le petit chiffre qui est à côté. Là, c'est 4000 2007, mais à 6000 déjà, je suis à 4000 pour le petit chiffre à côté, vous voyez, donc, et puis ça continue. Parce qu'on additionne, après, quand on fait un tour, on additionne les valeurs. Donc ça, c'est s'il y a deux joueurs, bah, on se partage l'action, les deux valeurs. Et maintenant, s'il y a trois joueurs qui ont pris les trois actions, donc parce qu'il n'y en a que trois disponibles par ligne, et ben, le premier joueur, il va prendre cette valeur-là divisée par deux. Dans cette situation-là, il va prendre 2000. Ensuite, on diminue de 2000. Et maintenant, les deux autres joueurs, c'est-à-dire de la somme qui a été versée, les deux autres joueurs qui auraient pris les deux autres actions, et ben, vont se partager en fonction de cette fraction. Celui qui a pris l'action numéro 2 touchera 1400. Celui qui a pris l'action numéro 3 touchera 600. C'est comme ça que l'on fait quand plusieurs joueurs ont pris des actions. Et je vous rappelle que les actions, la première que vous prenez vous coûte juste le prix de prendre une part, une action, puisque c'est de faire ça, c'est une action d'une carte action, ça fait beaucoup d'actions, hein. Donc ça coûte des sous. Le deuxième, il aura payé 300 en plus, le troisième, il aura payé 600. Donc pour prendre une troisième action, il faut vraiment que la ligne soit très très haute, hein, parce que vous n'allez pas gagner énorme, enfin elle va beaucoup baisser, donc il faudra bien calculer son coût. Et on va faire ça comme ça pour chaque ligne, et à la fin, bon, on va regarder qui c'est qui a le plus d'argent, et celui qui a le plus d'argent a gagné. En gros, entre 15 et 20 000 yens, généralement à la fin. Hein, et les grosses pièces 5 000 yens ne servent que pour le décompte des points. Petit oubli, sachez que Tokyo Metro est en fait un jeu qui arrive avec deux autres jeux du même auteur, dont une boîte qui contient en fait du matériel pour plein de petits jeux, il y a plein de règles dedans. Alors c'est pas tellement pour ça que je vous parle de ce jeu-là, c'est simplement qu'on peut utiliser cette autre boîte comme extension à Tokyo Metro. En fait, ça nous rajoute une colonne dans les cartes actions et on va pouvoir investir dans des machines à boissons dans chaque station. Alors, si vous achetez aussi cette deuxième boîte, il ne faut pas l'utiliser en première partie, sans doute pas en deuxième non plus, mais après, en tout cas, ça donne une autre option d'investissement si vous rajoutez donc du coup cette extension à Tokyo Metro. Voilà, c'était Tokyo Metro. Alors, vraiment une bonne surprise que le jeu est thématique, il est original, il est stratégique, on a un vrai développement de sa partie, on a une très forte interaction entre les joueurs, vous en doutez bien, et c'est un vrai jeu de réseau. Hein, les joueurs qui aiment les jeux de train, les jeux de réseau, c'est pas pour rien qu'il y a plein de jeux de train, hein, parce que des choses qui plaisent, ça devrait forcément leur plaire. Oui, évidemment, le tissu, quelle mauvaise idée pour faire un plateau, ok, c'est japonisant, c'est sympa, mais enfin bon, il y a des limites, et surtout, encore une fois, alors vous voyez le plateau avec les trains, au final, c'est pas si gênant que ça, que ce soit un tissu. Par contre, celui où on fait monter les valeurs des lignes, c'est un peu plus embêtant parce qu'il est un petit peu gondolé. Il faut bien le replier pour le mettre dans la petite boîte, de toute façon, donc il sera toujours gondolé. Mais mis à part ça, la sensation de jeu est quand même géniale. Vous commencez vos premiers tours, vous ne savez pas trop où vous allez. Et puis très vite, enfin votre premier tour, d'ailleurs, c'est votre premier tour. Et très vite, vous allez voir les stratégies qui vont se dessiner très rapidement, en fonction de ce que mettent les autres, etc. Vous voyez une ligne où commence à y avoir plein de gares sur cette ligne. Bah, à chaque fois qu'elle croise une gare, bim, elle monte sa valeur. Donc tout de suite, vous allez vous jeter sur l'action. Mais dépêchez-vous, parce qu'il y en a d'autres qui vont vouloir le faire aussi, hein, bien sûr. Et à chaque action qui est vendue, la suivante coûte plus cher. Après, vous pourrez aussi spéculer, ceci dit. C'est un peu moins bien, hein, mais vous pouvez aussi le faire. En spéculant, non seulement vous gagnerez quand même quelque chose, mais en plus, vous ferez gagner moins à ceux qui ont pris les actions. Donc c'est toujours intéressant. Donc il y a un petit côté punitif, mais qui n'est pas du tout trop sévère. Parce que si vous prenez une action, même si c'est à spéculer, vous allez quand même gagner des sous. Hein, et vous allez quand même en gagner correctement. Si vous êtes le premier à prendre une action, même s'il y en a un deux et un troisième qui prennent des actions sur la ligne, qui vous amputent de ce que vous alliez gagner, vous allez quand même gagner bien plus qu'eux. Donc c'est un peu punitif, mais pas trop. Donc ça, c'est très bien fait. Donc voilà, donc ce jeu est très très bien. Essayez à 3, essayez à 4, ça marche très bien. À 5, sommes-nous un peu trop nombreux? J'en sais rien, il faudra essayer. À 2, je pense qu'on n'est pas assez nombreux, mais à 3 ou à 4, ça marche très très bien. Voilà, donc Tokyo Metro, que je vous conseille.
bon jeu.